La tenue du prochain congrès du Parti congolais du travail, PCT en sigle, parti du président Denis Sassou Nguesso, parti phare et locomotive de la majorité présidentielle actuelle au Congo-Brazzaville, a été le grand sujet abordé par Pierre Ngolo, secrétaire général de ce parti, le plus grand parti du Congo, face aux chevaliers de la plume et du micro. En effet, l'organisation de ce 5e congrès du Parti congolais du travail, qui a connu entre-temps deux reports successifs par son instance dirigeante, qu'est le comité central du parti, en décembre 2016 et en 2017, sa tenue programmée entre-temps pour cette année, vient une fois de plus de subir un coup avec cette annonce à la presse du secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, celle du report de la clôture de la cotisation spéciale 5e congrès ordinaire du PCT, initialement prévu à cet effet pour le 5 juin, qui est repoussé au 25 juin 2019. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central a, au cours de sa réunion du 20 mai 2019, décidé d'une rallonge de 20 jours. Autrement dit, la clôture de la cotisation spéciale initialement prévue pour le 5 juin est différé et définitivement fixé au 25 juin 2019. Et le secrétaire général du Parti congolais du travail d'en appeler aux cadres militants et sympathisants de ce grand parti a manifesté par l'effort leur attachement au parti en s'impliquant par leur contribution, notamment à la recherche des ressources en vue de la tenue de ce congrès. Le prochain congrès du parti, il serait un rendez-vous raté si au lieu de constituer un moment de regard critique sur la situation du pays en vue des synergies innovantes et fortes, induisant une vitalité économique, gage d'équilibre social, il devait consacrer des déchirures injustifiées. La responsabilité nationale du PCT nous commande de penser, d'agir, en privilégiant toujours les attentes du peuple. Passant en revue l'actualité nationale émaillée par la crise économique et financière, le secrétaire général du Parti congolais du travail appelle les Congolais à ne pas verser dans le pessimisme et dans le désespoir. Les difficultés actuelles que connaît le pays sont conjoncturelles. Les évolutions récentes des négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international et la signature à Pékin d'un accord portant restructuration de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine laissent entrevoir une amélioration significative de la situation du Congo.